J'ai aucune espèce de légitimité à prendre la parole, aussi rassurez-vous, j'en abuserai pas. D'autant moins de légitimité que l'œuvre de Lavégor contredit un peu une théorie que j'ai longtemps avancée, selon laquelle l'histoire de l'art occidental, en tout cas l'histoire de la peinture occidentale, est terminée. Bon, et bien, cette idée que j'ai pu caresser et même développer, Lavégor, son œuvre l'a contredit. Quand je l'ai découverte, on s'est croisé à Libourne, dans son terroir, dans un des morceaux de son territoire imaginaire, qui va du pays palois, en gros du Béarn, à la Dordogne, en passant par Biarritz et les Landes. Quand j'ai découvert cette œuvre, je me suis demandé si ça faisait penser à Munch, je me suis demandé si ça faisait penser à Bacon. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de commun avec peut-être Goya, mais c'est idiot, il ne faut pas penser à ça. J'ai été fasciné par ses regards, notamment de prélats, de papes, de cardinaux, qui semblent à la fois me fixer et puis me comprendre mieux que je n'essaie de le faire, et puis pour découvrir un secret qui n'est pas très reluisant pour moi, mais en même temps, leur regard est parallèlement tourné vers l'intérieur. Je trouve ça fascinant, angoissant, c'est une peinture métaphysique. Je crois qu'on peut se permettre de la qualifier d'expressionnisme français. Je suis convaincu que c'est le meilleur peintre français vivant, et bien vivant, il a l'air en pleine forme. La partie paysagère de son œuvre, à peine moins tourmentée, mais quand même à quelque chose de charnel, de familier, de sensuel, par le jeu de ses couleurs et par les équilibres de ses abstractions. À tous égards, je trouve que c'est une peinture formidable. Alors, comme je n'ai pas les moyens d'une fonctionnaire du ministère de la Culture, je n'ai pas pour le moment d'œuvre de Lavégor chez moi, mais je me suis toujours procuré les catalogues, les bouquins, donc je vis un peu avec elle aussi. Et pour moi, c'est quelqu'un d'important, de très important. Donc c'est pour ça que j'ai déféré avec plaisir et fierté à l'invitation de Sophie Lavégor. Je ne connaissais pas. Et puis moi, les champions de haut niveau, capitaine de l'équipe de France, ça me fascine toujours aussi. Pour toutes ces raisons, je suis honoré et ravi de me trouver là ce soir parmi vous, dans une ville où j'ai... Seignos, où j'ai beaucoup de souvenirs, où je venais beaucoup les dernières années, et puis dans ma vie personnelle, à compter et compte encore. Donc, merci de m'accueillir, et bon vent pour cette formation qui j'en suis sûr, contribuera à propager l'œuvre de Serge Lavégor.